le renouvellement. Quand vous avez déjà un passeport pour le renouvellement, vous avez juste qu'à aller à la banque, payer 500 000 ou 10 ou 1 million quand c'est un passeport de 10 ans, et vous venez avec vos deux photos et vous venez, c'est pour le renouvellement. Mais je vais m'arrêter aussi au niveau des passeports. Pourquoi ce n'est qu'en Guinée, quand on a besoin d'un document de voyage, c'est la croix et la bannière. On est le seul pays au monde. Seul pays au monde. Et jusque-là, on n'a pas réglé la question. Le passeport, c'est un bout de papier. C'est simple, c'est banal. On a besoin du passeport. Voilà ce que vous devez fournir. Vous avez votre passeport. Donc, c'est pourquoi on a créé l'Office national d'identification qu'on va détacher de la direction centrale de la police aux frontières et qui va s'occuper uniquement de sa mission régalienne de sécurisation des frontières. L'office là, c'est lui qui doit régler cette question de façon définitive pour que le Guinéen cesse de souffrir. Le Guinéen souffre pour avoir son passeport. Mais comme je vous l'ai dit, changer, ce n'est pas facile. Vous avez des résistances au changement. Et ces résistances-là, il faut les vaincre. C'est pour cela que je dis changer, c'est oser. Voilà. Et ça me fait de la peine. Je l'ai dit au chef de l'État il y a une semaine, Monsieur le Président, ça me fait de la peine. À un moment donné, si on voulait avoir un passeport assez facilement, moyennant de l'argent, les gens venaient en Guinée. Mais il y a une évolution. On a d'abord commencé par les passeports diplomatiques. Les passeports diplomatiques, j'avais un lot chez moi. Le ministre des Affaires étrangères avait un lot chez lui et il y avait un autre lot à la présidence. Le président a dit... Maintenant, on récupère le lot qui se trouve aux affaires étrangères. Maintenant, ça va être présidence et sécurité. À un moment donné, je suis venu voir le chef de l'État. J'ai dit, Monsieur le Président, il ne sert à rien qu'il y ait deux ministres qui s'occupent du passeport diplomatique. Moi, je vous rends le lot que j'ai. Quand on octroie un passeport diplomatique à quelqu'un, amenez-moi juste la notification avec le numéro du carnet. À la police, on va faire l'enrôlement. Donc, il y a une excellente gouvernance à ce niveau. Maintenant, le problème a été déplacé au niveau des passeports de service. Et le chef de l'État a attiré mon attention là-dessus. Les gens sont allés vers les passeports de service. Et ils se font faire des ordres de mission par les DRH et à travers ça, ils partaient chercher des visas. Donc il y a eu beaucoup de passeports de service sortis, des milliers. Donc c'est après ça, je crois, 1600 en si peu de temps. Et là aussi, les mêmes dispositions sont prises. Avant, quand vous reveniez de l'extérieur avec votre passeport de service, il est récupéré à l'aéroport. C'est le même dispositif et il y en a un ici qui m'a posé la question que son passeport de service a été récupéré. Donc ça, c'est dans le cadre de ces réformes. Les passeports à l'étranger, j'en sais quelque chose. Quand j'étais attaché militaire au Canada et puis en Algérie, nos concitoyens, ils sont tous dans la même situation. Là, pour le Canada, on a réglé maintenant la question. Je pense que vous devez maintenant vous estimer heureux. Mais c'est réglé à moitié parce que vous n'avez pas la production du passeport sur place. Quand vous êtes enrôlé, les données remontent à Conakry. Quand le passeport est fait, il va là-bas. Donc, ce qui fait que souvent vous avez un retard dans la remontée des données. Et deuxièmement, quand ça arrive ici, on ne vous met pas en priorité. Mais voilà, on ne vous met pas en priorité. À cause de quoi? À cause justement de la corruption qui règne dans l'octroi des passeports. Les passeports coûtent
chair à l'extérieur. La réponse à cette question, je ne saurais pas vous le dire parce que je ne sais pas qui a fixé ce prix. Tout ce que je sais, les passeports en Guinée, on a une convention avec une société du nom de Iris. En Guinée, le passeport ordinaire, c'est 46 dollars. 23 dollars pour l'État guinéen et 23 dollars pour le partenaire. Maintenant, dans les 23 dollars, le partage se fait au niveau du ministère du budget, automatiquement. Dès que vous payez à la banque là-bas, le partage, il est automatique. Maintenant, pour les passeports qui se font à l'extérieur, on a dit de donner 15 dollars au ministère des Affaires étrangères pour pouvoir expédier ces passeports. La DCPAF qui s'occupe de ces passeports, ils ont 0 dollars. Il était question, pour motiver ces gens-là et limiter la corruption qui règne au sein des passeports, c'était de faire une bonification pour les policiers de la DCPAF. Le budget, le ministère du budget ne le voit pas sous ce temps.